On est parti. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Arsenus TV pour l'épisode 5, 6. Je m'en rappelle plus. Peu importe, j'ai envie de dire, mais non, ça va être. Qu'est-ce que j'ai préparé? Hop. Épisode 4, il me semblait avoir fait l'épisode 5. Si ça se trouve, je l'ai tourné, mais je l'ai pas du tout préparé. C'est pas impossible, ça. Faut que je regarde ça. Oui, c'est ça, il est là. Je l'ai pas mis en. Donc, pour l'épisode 6, voilà, de Strange Horticulture. Bah, on est parti, on va continuer simplement, hein. On va pas s'embêter. Book. Et sur YouTube, c'est marrant, c'est. Quelques notes de piano en musique, mais sur YouTube, ça me bloque systématiquement, ça me les met en réclamation. Alors, ah oui, il y avait ça. Alors, à Tebay, un noble estime son sublime odorat superbement subtil. Alors, on va ça, c'est une carte. Parce que ça fait à Tebay, on commence nord, est, sud, sud, ouest, sud, sud. Ça, c'est sûr et certain. Alors, à Tebay, où est-ce que tu es? Tebay, ici. Alors, nord, est, sud, sud, ouest, sud, sud. Je me trouve sur une parcelle de lande entourée de pics escarpés et surplombée de nuages menaçants. Une plante particulière se démarque des étendues de brouillard pourpre. Et là, une autre encore. Parfait. Elle dégage un arôme frais et agréable. Très bien. Les fleurs sont d'un bleu profond. Elles sont vraiment très belles. Parfait. On range la carte. On s'en va laisser. Et puis on y va pour le premier client. Nous sommes samedi. Bonjour Simone Green. Langue Meg, désolé, je n'ai jamais entendu parler, mais je jetterai un œil à la bibliothèque. Ce serait bien. Je ne connais pas cette planche, je n'ai pas réussi à la trouver. Tant que vous pouvez m'obtenir du baiser de fièvre, bien sûr. Du baiser de fièvre, mais ouais. Oui, j'avais du baiser de fièvre. Ah non. Ok, bon bah c'est parti alors, baiser de fièvre. Ah oui, je l'ai pas. D'accord, ok, très bien. CB rouge offre un regain d'énergie qui dure plusieurs heures. Ah. Ah oui, je me suis dit que ça allait être ça. La story des montagnes. Oui, pardon. On peut changer l'étiquette. C'est bien ça, on peut changer le nom. Voilà. C'est pas une plante, on va la mettre là-dedans. Enfin, si, c'est une plante, mais. Voilà. J'essaye de classer. Ça fait une sacrée collection, n'empêche, hein, au bout d'un moment. Client suivant, David Schaffer. Ah, le postier, bonjour. En ville, tout le monde parle d'une femme qui porterait un masque vert en jade. Il y a toutes sortes d'énergumènes dans Undermer, et c'est vraiment insolite. Bougie de Beshfoot. Très bien. Alors attends, est-ce qu'il y a un truc caché? Non, rien. D'ailleurs, faut que je relise ça. Le disque de Brière, oui, ça c'est le truc de contrebandier, très bien. Ça c'est les différentes marques. Ah oui, l'élixir de Baylock. Alors il faut ça, ça et ça. Alors attendez, on va essayer de résoudre ce petit truc. Alors non.
ça. J'espère que les dessins correspondent, ce serait bien quand même. Ouh, ça m'a l'air mal barré. Il n'y a rien. Tant pis. Client suivant. Bonjour, excuse-moi, chat. J'ai discuté avec les gens en ville pour tenter d'en apprendre le plus possible sur cette bête qui aurait été aperçue dans la région. Ce mec a des yeux verts, il fait un abus de je ne sais plus trop quoi. Dans l'ancien monde, on appelait cette chose le serviteur, mais les gens d'ici semblent avoir oublié ce nom. Très bien. Sauf le groupe qui se fait appeler les Graines de la Rédemption. Je ne m'attendais pas du tout à croiser ce genre de personnes et ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient pas que j'approche du serviteur. Ils semblent le vénérer, mais je me laisse distraire, mes réserves de dantrium s'épuisent. Il m'en faut plus. GG level up par la couette! Alors, Dantrium, c'est ça, je crois que c'est ce fameux truc. Une plante aux puissantes facultés psychotropes. La fumée qui se dégage lorsqu'on brûle ses longues feuilles pointues permet à ceux qui l'inhalent d'élever leur conscience à des niveaux autrement inatteignables. D'œil vert, en cas d'abus, même le blanc des yeux prend une teinte verte. Alors. On part sur ça, hein. On part sur. Moi, je parie que c'est ça. Du Dantrium. Du Dantrium. J'aime bien ce côté. On range l'étiquette, on met ça là. Excuse-moi, Chacha. Caresser les bords 13 fois. Ah bah c'est parfait, j'ai débloqué un petit succès. Reuben Ward, j'ai rôdé autour des Blacks, de Blackcomb comme il y a 2 nuits dans la pénombre absolue. C'est sacrément efficace cet œil vif. J'y voyais comme en plein jour. En haut de la colline, j'ai trouvé une petite fosse remplie de crânes. Ah. Pas bon ça. Des crânes de cerf, de renard, de blaireau et d'humain. Un silence inquiétant régnait à cet endroit et tout mon être me hurlait de déguerpir. De retour sur le plateau, j'ai entendu un bruit terrible. On aurait dit le grincement d'une meule, mais c'était incontestablement animal. Ah, il y a eu un meurtre par une sur une sororité. Sur la Crête, une femme enveloppée d'une cape et portant un masque de jade m'observait. À côté d'elle, quelque chose de sombre, d'inhumain et d'énorme, bon sang. Il y a des trucs, hein. L'histoire se complique. Je n'ai pas peur d'admettre que je suis dépassé par les événements. Dans le doute, tue tout le monde. Il faut que je reparle à Vérona. Tant que j'y suis, je vais prendre du col sauvageon pour ma tête en compote. Col sauvageon. Ces baies violettes sont recommandées par les médecins. Ceux-ci conseillent de les prendre en tonique pour contrer les effets d'une soirée trop arrosée plutôt que de combattre le feu par le feu. Certains considèrent le col sauvageon comme une plante sacrée, peut-être en raison de sa rareté, et prétendent que cueillir ces baies porte malheur. Col sauvageon. Avec des baies. Avoir un problème. Et violette. Col sauvageon, je l'ai pas identifié. Pute flûte, caca boudin.
Ah, ça c'est chiant. Les violettes, j'ai rien ici. Qu'est-ce que j'ai dans mes archives? Bougie de Beshfoot. Bougie de Beshfoot. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Ouais. Non, il n'y a rien. Et c'est ça, lumière d'or débutée à Long Meg. Je ne sais pas ce que c'est. S3E2. Alors, S3, ça n'y est pas. Et c'est Sud 3, Est 2, c'est quasi sûr. Mais alors, lumière d'or débutée à Long Meg. Et Long Meg, je ne sais toujours pas ce que c'est. Rien à faire. Œil de Quintmer. Ça me dit quelque chose, Quintmer. Il y a Undermer. Quintmer. Ah, Kentmer, ici. L'œil de Kentmer. Est-ce que c'est le temps d'y aller tout de suite? Ou à l'ouest de Kentmer? Un peu... On va tenter le coup, on va tenter le coup. Ah, déjà. Ouais, ça c'est bon, j'ai fait. Et le grand chêne, d'accord. Et... Ah! L'œil de Kentmer, je suis con. Kentmer est ici. L'œil. Le plus important à faire à la boutique. Ok, ça y est, je viens de comprendre le truc. Alors attends, parce que du coup, œil de Quintmer et bougie de Beshfoot. Attends, l'œil de Quintmer c'était par là et la bougie de Beshfoot c'était où? Beshfoot c'était dans le coin, ça se trouve? Et je foute. Pardon monsieur, je suis désolé. T'es parti sur autre chose. Vous vouliez du col sauvageon, mais oui, mais. Col sauvageon, du col sauvageon. Col sauvageon, col sauvageon. Col sauvageon, on est d'accord. Alors, attendez. Ah, mais ça se remet tout doucement, c'est cool.
Ah, ça c'est étrange. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dessus? Il n'y a rien. Ah, attends, je vais sortir le disque. La bougie, elle est où? Elle est là. Et c'était la bougie de... Bougie de... Beckfoot, Beckfoot. La bougie, elle est là. Alors, Beckfoot. On va voir, hein. On va voir, c'est pas dit que je trouve. Fox Server, l'ancien. Foxhead, pardon. Jack Barrow. C'est marrant quand même, hein. L'œil de Quetmer, ça c'est Quetmer, c'est là. Ah mais non, attends, tac 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 tac, si ça se trouve, c'est pas là, c'était là. Depuis Quetmer, je suis la direction de l'œil et débouche dans une petite forêt au nord de Kendall. Les bois sont assez denses, envahis de bruissières et de ronces, mais par les broussailles enchevêtrées, c'est pas de une variété de fleurs. Et voilà! Bonjour! Excusez-moi, je suis allé voyager pendant quelques jours et revenir avec votre truc. Col Sauvageon. Sauvageon. C'est pas facile quand même là, hein? J'ai eu un peu chaud aux fesses. Voilà. Alors, j'aimerais bien. Ah, les trucs qui remontent au fur et à mesure, c'est cool. C'est cool. C'est. Ah, donc c'est vraiment pile à l'endroit où ça tape, hein. C'est la bougie de Beckfoot, c'est là, je l'ai. C'est ici. Ok, c'est parti, c'est là. On va attendre un petit peu parce que là, ça a l'air d'être accéléré un peu. Merci. On continue, on continue. Arrose les plantes. Voilà. Alors la busy de Beckfoot. J'avais dit que c'était là. La bougie me conduit à l'est de Wastewater. Au nord, le pic majestueux de Scafell, plus haut sommet d'Angleterre, effleure le ciel. J'ai du mal à résister à l'appel de ce défi. Peut-être une autre fois. Oh. Elle est moche. Je me méfie de ces épines. Vous allez dire moins intéressante que ça. Surtout pas. Ça, c'est une identification où je m'y connais pas. Hein. Ça, c'est bon. Alors, toi, c'est fait, c'est trouvé, archivé. Toi, c'est fait, c'est trouvé, archivé. Il me reste encore cet élixir de Baylock. Ami Sullivan. Mon fils est très malade. Quelqu'un a parlé d'un champignon sécrétant un épais liquide laiteux qui l'aiderait à soulager ses maux de ventre. Je suis prête à tout essayer. Voilà qui est dangereux, chère madame. Pardon, on va ranger ça aussi. Je crois que c'est déjà fait les champignons, non? Voilà. Facile. Verona Green. Pauvre Ruben, il n'a pas l'air en forme ce matin. Il a été très affecté par la mort de sa femme et n'a jamais vraiment abandonné la boisson. Je pense savoir quel rituel a été pratiqué au cercle de pierre. Voilà qui est intéressant. Tout ça se tient. C'était une sorte d'invocation.
On a tenté d'extirper quelque chose des ténèbres et de l'invoquer ici-bas. Et vu l'état de ce corps réduit en charpie, je dirais que ça a marché. Ah! Ok. Ouais, donc c'est celle à Nana avec le masque de Jade, d'accord. Et puis le dindra doré, ça m'a vraiment interpellé. J'ai trouvé ça dans le bestiaire des docteurs Worthing, ça vous fera un peu de lecture. Je retourne dans la forêt de Grisdal. La sororité en saura sans doute plus. Il porte de nombreux noms. Certains l'ont baptisé Dendra éveillé pour illustrer un éventuel lien au Dendra. Dendru éveillé, pardon. D'autres le surnomment Traqueur Nocturne, Miasme ou encore Redoutable, mais son nom le plus courant dans ces contées est celui de Serviteur. Vous en aurez sans doute entendu parler dans certaines comptines pour enfants comme Que brûle le feu ou Serviteur et Maître. Des allusions à son existence apparaissent aussi dans des récits plus anciens, mais personne ne l'a jamais vu en chair et en os. Selon certaines rumeurs, les terres dévastées au nord-est de Thébé, où ne pousse que du Digitalis Mortus noir, seraient le résultat du dernier passage du Serviteur dans nos contrées. Il y a des centaines d'années. Au nord-est de Thébé. Bah ça tombe bien. Thébé. Au nord-est. Parmi les habitants de la région, cette vaste zone de terre noircie est connue sous le nom de champ du Trépassé. Des champignons sombres dépassent du sol, tels des doigts sortis tout droit de la tombe. Ça ressemble étrangement à une main spectrale. Ah, j'aurais pas dit une main, moi. Mais j'ai peut-être l'esprit mal tourné. Ça c'est fait. Archive. Boop, direct. J'essaye de. Ça, ce serait bien la 2, ça. Hein. Je garde, hein, mais la 2, ça m'a l'air bien ça, quoi. Après, il faut une fleur. Pas comme ça. Je vais essayer de les mettre de côté pour voir un peu ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Ah. Un œil vif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peut-être un œil vif. Avec ça au milieu. Et il manquerait. Il manque encore une plante. Il me manque encore une plante. Ah, quoique non, je l'ai. Ce serait ces trois-là. Je sais pas comment je peux boire ça, on verra ça plus tard. Allez, on finit la journée. On tire une carte. Ah, merci. Chaque jour, elle suivait attentivement les enseignements de Larda. Chaque jour, elle accomplissait patiemment les tâches qui lui étaient confiées. Chaque jour, le livre la taraudait. Nous sommes dimanche. Dimanche. Ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors ça, il y a un truc caché dessus, hein, ça me paraît très 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 évident. Voilà. Un secret dévoilé n'est plus un secret. Ouais. 2 miles au nord de Foxfield. C'est parti! Foxfield, je sais que c'est. 1, 2. Trois corbeaux tournant dans les airs, leurs plaintes et leurs croassements déchirant le silence. Un présage. Je prends ce que je cherchais et je pars. Alors attends, parce que ça, c'est un chien pépé. Les feuilles dentelées sont très coupantes comme je viens de le découvrir. Ok. Bah allons-y, hein. David Schaeffer.
Vous avez une lettre de votre ami bibliothécaire aujourd'hui. Ah, Long Meg, enfin. Très bien. En ce qui concerne votre question de l'autre jour sur Long Meg, j'ai bien peur de ne pas avoir de réponse, mais l'abbaye de Calder est une mine d'informations sur les coutumes régionales. Si vous vous y rendez, le moine vous demandera une plante, mais ils ne vous diront pas laquelle. C'est une sorte de test. Ils ne m'ont jamais laissé rentrer pour parcourir leur collection. Simone! En route, Simone! Allons-y! L'abbaye de Calder. Allons-y directement, on va pas s'enquiquiner. Abbaye de Calder, c'est là. Bonjour! Une petite fenêtre s'ouvre dans une grande porte en chêne. Depuis les ténèbres, une voix proclame: Seuls peuvent entrer les amis. C'est-à-dire que je me suis baladé avec toutes mes plantes, hein, sur moi. Hein. Et en prophétie. Seul. Peuvent entrer les amis. Très bien, très bien, très bien. Confiance et conviction. Un Astori des montagnes, ce serait pas mal, ça, hein? Je pense que c'est ça. Astori des montagnes, je pense que c'est ça. Confiance et conviction. Cantanée, réchauffement. Ah, pacte d'amitié, un bouton renard. Entre deux inconnus. Je pense que c'est ça. Bouton renard. Ah, ça doit être là-dedans. Je l'ai identifié, le bouton renard. J'ai pas mis. Ah, zut, flûte, caca boudin. Mais si je l'ai fait, attends. Ah, bouton renard, merci. Ah oui, je l'ai mal rangé, c'est pour ça. Voilà, bouton renard. La trappe se referme et la porte en chêne s'écarte lentement sans un bruit. Un homme vêtu d'une simple robe brune m'invite à entrer. Il acquiesce en silence à mes questions sur Long Meg et me conduit à travers l'abbaye, jusqu'à atteindre une petite bibliothèque remplie de parchemins et de livres. Sans un mot, il s'arrête un moment avant de choisir un parchemin et de me le remettre. Concernant Long Meg, un cercle de pierre se trouve au nord d'Undermere. D'après une légende populaire, une sorcière connue sous le nom de Long Meg a vécu dans les environs avec ses filles il y a des centaines, voire des milliers d'années. Elles étaient sauvages, impies et pratiquaient la magie noire. Une nuit, elles allèrent trop loin. Meg et ses filles furent alors transformées en pierre. Les habitants de la région surnomment la haute pierre qui se détache du cercle principal Long Meg. Comment dirait-on? Alors, bonjour. Archive, ça c'est fait. Et alors, ça grimpe au fur et à mesure. On va accélérer. J'aime beaucoup ce jeu. Je le dis à chaque épisode, mais franchement, je l'adore. Au nord d'Undermere. Undermere, au nord, il y a un centre. Fille, cercle de pierre. Alors, je peux y aller tout de suite, mais... Débuter à Long Meg. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Ici, la rivière vient à peine de naître. Elle traverse les rochers à toute vitesse avec un gargouillis mélodieux. Parmi les hautes herbes qui la bordent se trouve une fleur bien plus surprenante. Je te l'ai dit, une vie antérieure, c'est clair. Des fleurs rouges, des feuilles douces. Très bien. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bon, bah jusqu'ici tout va bien. Verona Green, bonjour. La sororité met encore ma patience à rude épreuve.
Si seulement l'ancienne Arda était encore là. Elle cache des secrets depuis des centaines d'années. S'il y a bien un moment pour les partager, c'est maintenant. Elle connaissait un moyen de vaincre ce serviteur. Elle connaissait un moyen de vaincre ce serviteur, un rituel, une arme ou une autre chose, mais leur satanée fierté les empêche de demander de l'aide. Mais je ne vais pas rester les bras croisés à ne rien faire. Je ferais mieux d'avoir une petite discussion avec cette nouvelle Arda. Et je crois que je vais me prendre de la story des montagnes. Ah bah tiens, c'est ça la story des montagnes. Voilà, comme ça au moins c'est identifié, c'est sûr. La story des montagnes. Ça c'est fait, ça c'est fait. On rentre. Bonjour Thomas Gred. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est moche. J'ai terminé les modèles sur lesquels vous m'aviez demandé de travailler. Faites très attention à les déballants. Certaines verreries sont assez délicates et j'ai dû prendre des précautions pour les transporter. Mon équipement de laboratoire est enfin arrivé. Je peux désormais préparer des élixirs grâce aux ingrédients de mes plantes. Ah! Yes! Oh! Utskuchi! Et ben voilà! Et ben on y va, hein! Première. Deuxième. Ok! L'élixir de Baylock. Alors, le truc est là. C'est pas étiqueté, c'est rien du tout, c'est une horreur. Ça fait très Potion Craft. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. C'est un truc d'alchimie. C'est pas mal aussi parce qu'il faut mélanger des plantes, faut touiller dans un certain sens pour pouvoir récupérer des trucs. C'est pas mal du tout pour le coup. En rouge. Badabadabadabadabadab. Non, 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 non. Rien dit du tout, c'est toi que je veux. Élixir de Baylock. Et ça, c'est pour la mémoire exceptionnelle. Et ben, c'est cool. Ça, c'est bon. Ça, c'est dans le truc. On commence à avoir pas mal d'options. Hein. Bethany Coleman. La nouvelle Arda ne serait pas contente que je sois là, mais la forêt est en danger. J'ai parlé avec Verona Green tout à l'heure. C'est grave. Si le Dendru s'est éveillé, il va s'en prendre à nous. Il faut que vous placiez une offrande sur l'autel d'Arduinia. Ok, et je sais ce qu'il faut mettre comme plante. Normalement, c'est... Voilà, l'âme de braise qu'il faut mettre. Je ne l'ai pas encore connu, l'âme de braise. Alors, l'âme de braise. Alors, j'ai créé l'élixir, mais j'ai pas encore validé la plante. Donc, on va remettre ça là. J'ai plein de plantes que j'ai pas. Ça commence à m'enquiquiner. J'aimerais bien avoir des trucs qui me permettent de les identifier. Les parfums de neige. Produit des fleurs au nombre pétales sur ses feuilles, elles sont tranchantes comme des rasoirs. Ah! Ça doit être le truc. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est celle-là, je crois. Voilà, c'est ça. L'âme de braise. Alors, c'est potentiellement ça. On va y aller. Bonjour. Alors, merci. Montagne. Alors, il y a deux montagnes. Il y a... une rivière qui coule comme ça.
Oh, c'est pas mal là. Non, ça aurait été bien, mais non. Deux montagnes et deux églises. Alors, qu'est-ce qu'ils font, église et les abbayes, en fait, non? L'abbaye de Calder. Oxfield. Il y a deux montagnes de part et d'autre d'une rivière. Ah. Il est là. Ouais, mais ça va pas avec ça. Ah, mais. Alors. Il y a des gens qui trouvent ce jeu répétitif. Ça, pour le coup, je trouve ça étrange. Oui, c'est un peu répétitif dans le sens où oui, tu identifies des plantes, tu machins truc, mais. Oh, pardon. Rendez-vous à midi. Oh là. Ouais, je vais tenter d'accélérer un peu le truc. Alors normalement, si je fais bien ça. Comme ça sur le côté de la rivière. Là. Alors, gauche et une rivière. À gauche et une. À droite, pardon. Il y a un truc. Ok, alors, vous pouvez une rivière, enfin, une chaîne de montagnes sec. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, mais faut être ça. Ça c'est pas mal. Mais ça correspond pas. Ça par contre, si le dessin est précis. Le dessin est précis, ça devrait être facile à trouver normalement. Hein? Ouais, en fait, c'est pas, c'est une croix, c'est église, mais. Ouais, j'ai pas d'église en partie. Ah si, il y a église là. Église là. Rivière Sprint. Normalement, je dois pas avoir de difficulté. J'ai ça, mais là j'ai rien. Oh. Là j'ai une église là, peut-être ici, mais j'ai pas de montagne. Montagne c'est plus vers le nord, on va essayer de choper par là, ça doit être là-bas. Celui qui fait comme ça était d'accord. Doit être trouvable cette connerie. Rivière, on est d'accord, hein, ça c'est une rivière, il n'y a pas photo. Ah, je suis con, j'ai pas un truc. Non, hein, c'était ça, c'était le tout début, ça c'est bon, j'ai fait donc.
Jack Undermer. Ah, ça me saoule. Église là, église là. Tout n'est peut-être pas bien débloqué, hein, si ça se trouve. Ah, je sais pas. Ah, non, non, il y a un truc. Ah, là, là, il y a les deux, là, la rivière ici, ça doit être là. Ouais, ça fait ça. Ok, donc elle est là. Alors, c'est... Ouais, ça doit être ça. Ici. On a ici, là, et ça, donc faut aller ici. Beth semble avoir réussi à tenir ses sœurs à l'écart de ce coin de la forêt pour l'instant du moins. Les arbres y sont denses, ancestraux. L'autel semble exactement à sa place, ici au même titre que les troncs noueux et les racines tordues. Je dois présenter une offrande à la déesse Arduinia. Âme de braise ou col d'Eri. Ah tiens, j'aurais dit autre chose, mais bon, pourquoi pas. Oui, âme de braise. Ah bah voilà. Yes. Au col d'Eri. Elle est là, le col d'Eri? Alors, je peux peut-être en... Ah, où sont mes étiquettes, là? Mars. Col d'Eri, différents nuages... Elle pousse sur une fine tige dotée de petites feuilles. Très certainement de la col d'Eri, ça. Hein. On va mettre ça. On va en profiter hein, pour. Ah, tu fais chier. Tu joues. Ok. Bon, c'était un peu long. Je suis désolé. Je vais laisser ça là. Ça, c'est bon. Hop, archive. Ça, je range. Client suivant, Nathalie Cooper. Je suis harcelé par les cinglés qui crient à la rédemption et disent qu'ils vont le libérer. Je ne sais pas ce qu'ils racontent. Ils peuvent prendre leurs graines de je ne sais pas quoi et leur absurdité d'éveiller et de se les coller où je pense. Pas très très soft, chère madame. Je ne rejoindrai pas leur fichue secte. Je veux juste cultiver mon jardin en paix. Je cherche un peu de brille-alouette pour les chasser s'ils reviennent. Brille-alouette. Intéressant. La brûlée est une plante dotée d'un puissant mécanisme de défense. Elle libère des aiguillons urticants et active au monde en contact. Ok. Bon, bah c'est ça, hein. Un brille-alouette, hein. Je pense qu'il n'y a pas photo là. Voilà, assez facile. Voilà. Brille. Merci. Brille là. Parfait. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On a déjà fait du bon boulot. Et on va aller se coucher. Allez, prenez un bar, prenez un boulot. Voilà, c'est tout pour l'épisode 6 de Strange Horticulture. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous qui piquent et je vous dis à bientôt sur Arsenius TV. Salut, salut!